Salut, papa. Hey, salut. Désolé de te déranger. Je sais que t'es très occupé. Tu ne me déranges jamais. Écoute, j'étais en train de faire du rangement et j'ai mis les affaires de ta mère dans des cartons avec tout son matériel de peinture, tu vois. Tu peux ? Mais je ne peins pas. Tu devrais t'y mettre. Tu es bourré de talent. Je peux pas. Ça me rappelle maman et... Pas de soucis, je comprends. Si un jour ça t'intéresse... Dis-le-moi, parce que je sais qu'elle aurait voulu que tu les aies. J'y penserai. Et sinon, tu fais quoi en ce moment ? Je pars faire du kayak et des photos. Et tu y vas avec qui ? Jason ? Rien que toi, Jason, hein ? En fait, il y aura aussi une maquilleuse. Elle s'appelle Megan. C'est une amie de Jason. Ok, donc c'est professionnel, hein ? Et vous allez jusqu'où pour faire ces photos ? Toujours au même spot ? D'accord. T'as vérifié le temps avant de partir ? Oui, c'est bon. J'y suis allée une centaine de fois, donc. Je sais que t'es douée, ma chérie, mais... Tu sais, ça reste l'océan, ma chérie. C'est une baie, pas. Si le temps se gâte, alors on fera demi-tour. Tout se passera bien. Faut que je te laisse maintenant, ils vont m'attendre. Très bien, et sois prudente. Promis. Amuse-toi bien, ok ? Je t'aime, ma puce. Tu me manques. Moi aussi. Ça me rappelle mes 12 ans. Tu mangeais ça à 12 ans ? Et toi ? Moi, des Slim Jims. J'en aurais bien pris, mais j'en ai pas trouvé. Tu sais ce qu'il y a dedans, non ? Non, pas vraiment. T'as déjà entendu parler de Soleil Vert ? Ouais, c'est une boisson. Espèce d'inculte ! Le classique de 73 avec Charlton Heston. Le Soleil Vert, c'est de la chair humaine. Ah bon ? D'accord, alors c'est pour ça que c'est si bon. C'est dégueu. T'as commencé. Sarah, voici Megan. Megan, voici Sarah. Merci pour les présentations, mais on s'est déjà rencontrés. Lors de notre dernière expo, tu as dit un truc genre que nos photos ressemblent à des peintures. Oh, ouais. Je m'en rappelle. Oh, waouh, t'as une sacrée mémoire. Ça s'oublie pas, hein. Super, j'ignorais totalement que vous vous connaissiez. Il y avait tellement de monde. Au fait, Megan m'a montré son portfolio. Et son travail est vraiment énorme. Oh. Oui, je me suis permise de regarder en ligne. Superbe. Super, que des gens doués en fait. Exact. Écoutez les filles, je sais qu'on devait retourner sur cette île, juste à côté de Kudjo Basin. Mais là, j'ai une autre suggestion à vous faire. Vous savez, avec cet ouragan qui a frappé les quais, ça a chamboulé tous les canaux qui mènent à la baie. J'ai parlé avec quelques amis. Ils m'ont expliqué qu'une formation rocheuse immergée est sortie des eaux quelque part le long de la côte. Je vous promets qu'on va faire des clichés de malades. On sera les premiers à le faire. Pareil que ça ressemble aux Bahamas. C'est juste un peu plus loin, mais si on part, tout de suite, on sera rentré à la nuit tombée. Plus loin de combien ? Bah, on doit dépasser Cuba, donc je dirais que ça fait... Arrête ! Non, sérieusement, par rapport à d'habitude, je dirais une heure de plus, à peu près. Donc 3 heures ? Ouais. Comment tu sais qu'elle est toujours émergée ? Mes potes y étaient il y a 2 jours à peine. Elle est principalement sous l'eau, mais avec les grosses marées actuelles, on devrait être au sec au moins 2 à 3 heures, à marée basse. Ça serait pas génial d'être les premiers à immortaliser une toute nouvelle île, hein ? Mmh. Je viens. Ouais, cool. Ça roule. Super, super, ok. Hé, hey, ton téléphone, tu veux le mettre là ? Je pense que je vais le garder, mais merci. Comme tu voudras. Ça, c'est les affaires qu'on ne doit pas mouiller. Je pensais que ton maquillage était waterproof.
Oui, il l'est, mais pas ça. Ok, allez, on décolle les filles. L'océan nous tend les bras. Dans les deux sens. On va débarquer, faire nos photos, on met les voiles avant que l'île soit submergée. Sans me vanter, avec un photographe comme moi et une véritable artiste comme toi, je pense que 2 heures suffiront largement. Merci pour moi. Ah oui, notre modèle. Ouais, c'est vrai, mais tu sais, avec la beauté naturelle de ce paysage, le modèle n'importe peu. Tu veux faire des silhouettes, c'est bien ça? Des silhouettes, ouais. En fait, je veux un rendu avec du flou. Comme d'hab, quoi. Touché. Pas besoin de maquilleuse, alors. Mais si, si. On a vraiment besoin de toi. Même en silhouette, il y a beaucoup de boulot, je te jure. Ok. Ah, ok, j'arrête. C'est bon, j'abandonne. On reste concentrés. Continuez à ramer, les filles. Compte sur moi. Téléphone tout à l'heure. C'était ton père? Ouais. Il va bien? Oui, je pense. Il se sent un peu seul. Ouais, je comprends. Ma mère est décédée il y a 1 an. Mais on savait que ça arriverait, on était préparés. Du moins autant que possible. Oh, je suis navrée. Merci. C'est pas facile. Elle est... Elle était unique. Exactement comme sa fille. Une artiste, hein. Son père était pilote. Il a parcouru le monde. Il a livré des médocs au Botswana. Il a fait l'Air Force. Non, pas l'Air Force. Où ça alors?
La Civil Air Patrol. Qui fait partie de l'Air Force. Non, Jason, c'est différent, il est volontaire. Ouais, volontaire, donc c'est un super-héros. Il a parlé de moi ? En fait, oui. Un super-héros. Des dauphins. Génial. Wow. J'en avais jamais vu d'aussi près. Wow. Regardez ça. Celui-là est plutôt amoché. Comment il s'est fait ça? Un bateau? Non, 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 ce sont des tursiopes, connus pour être les teigneux de l'océan. Il a dû se battre, qui sait? On dirait des morsures. Ouais. Bien avancé, les filles. 5 minutes de pause. Merci. On est encore loin? Encore 2 bonnes heures. Eh bah, tu vois, là, c'est le moment où j'aurais préféré prendre un bateau. Ok, sale tueuse de planète, hein? Je veux dire, ça peut être dangereux par ici, surtout quand tu connais pas le secteur. C'est plein de récifs et de bancs d'huîtres. Faut être très prudent. Ouais, c'est vrai, mais les gardes-côtes font gaffe dans ces eaux. Tu m'avais pas dit que t'étais une bête, à la barre. Ouais. Pas ce genre de bar. Oh, ok. Ça t'excite? Bon, ça c'est l'endroit habituel. Mais la formation rocheuse que l'on cherche est un peu plus au sud, tout près des récifs. Ça en vaut vraiment la peine. Tu peux le mettre dans ton sac, merci. Avec plaisir. Heureux que tu me fasses confiance. Fais gaffe. Quoi ? Bon, allez. On y est presque. Et voilà, nous y sommes. Visez-moi cet endroit. C'est pas génial? Je sais pas trop. On dirait un bloc de béton plein de bigorneaux. On veut pas du joli, on veut que ce soit unique. Les clichés vont être énormes. Thank you.
Vous en dites quoi? C'est clairement pas les Bahamas. C'est vrai. Mais je pense que ça va le faire. Voilà, bien. C'est ça que je voulais entendre. Que le spectacle commence, c'est alors. C'est parti. Ouais. Je vais installer mon barda et vous deux, maquillage. T'as mon pareo? Ouais. Assieds-toi. C'est parfait. Ok. T'en penses quoi? À mon avis, ne change pas ton look. J'adore. Okay. T'es vraiment très jolie. Merci, toi aussi. Merci. Bon alors, voyons voir. Tu veux que je les sèche ou bien? Non, c'est mieux humide. C'est vraiment cool que tu sois là. Voilà, t'es parfaite, oui. Ouais, pas mal. Oh mince, quelle belle sirène. Je suis sérieux. Et avec ton pareo autour de la taille, c'est parfait. Ouais, j'aime bien. Ok, alors on va commencer. Bien, bien. Ouais, c'est ça. Ah, quelle lumière. C'est super. Tourne-toi un peu comme ça sur toi. C'est ça. Une seconde. Je m'attendais pas à ce que tu m'invites ici. Mais pourquoi? T'es génial. Merci. Je sais, c'est plus pour Sarah. Non, écoute. Avec Sarah, on est amis. De bons amis. Ouais, ouais, j'avais remarqué. C'est pas du tout ce que tu crois. Je voudrais pas me mettre entre vous deux. Il n'y a plus rien maintenant, c'est fini. Je... C'est vrai qu'à une époque, on était ensemble, quelque temps. Et c'était spécial, mais c'était... pas spécial comme tu le penses. Je tiens à Sarah et à sa famille. Ils comptent beaucoup pour moi. Je les admire, elle et son père. J'étais présent quand... sa mère est tombée malade. Ça a vraiment failli briser leur famille. Et je suis vraiment ravi que tu sois là, ok? Oui, je suis ravi d'être ici. Je veux être sûr que tu fasses ce que tu veux, ouais, et que tout est ok. Tu sais ce que j'aimerais? J'aimerais que tous les trois, on crée une œuvre d'art ensemble. Moi aussi. Hé, hey, tu sais quoi? J'ai exactement le même. Non, c'est vrai? Mm-hmm. Regarde celle-là. La lumière est top. Tu descends un petit peu? Ouais, là c'est bien. Je prends ma GoPro. Tu peux me tenir ça? Avec plaisir. Merci. Parfait. On va en faire de très belles. Pas mal du tout. Elle est sympa. Oh, Megan? Ouais, elle est cool. J'ignore si c'est une bonne maquilleuse, mais je comprends pourquoi tu voulais qu'elle vienne avec nous. Vous semblez très bien vous entendre. Elle est cool. On a traîné ensemble, après une expo, quand t'es partie. Ouais, et je pense qu'elle serait parfaite pour toi. Hé, hey, attends, tu joues les marieuses, là? C'est un revirement inédit. Non, je ne joue pas les marieuses, c'était seulement une observation. Une observation, ok. Et qu'est-ce que tu vois, là? Quand tu observes. J'observe que on devrait peut-être s'y remettre, ok? Sarah, qu'est-ce qu'il y a? Ce que je dis, c'est que si tu as décidé d'aller de l'avant, je serai ravie pour toi. C'est vrai. Écoute, c'est bon? Ouais, ouais, c'est bon. Photo sous-marine? Oui, bien sûr. C'est parti. Allez. Bon, d'abord? Avec plaisir. Attends, bouge pas. Attention, j'arrive. Prêt?
Ok, moi je plonge et toi tu me rejoins. J'en sais rien du tout. Téléphone. Il est là. J'ai trouvé mon téléphone. Ça y est. Et le mien? J'ai plus de batterie. Il est mort. Attends, j'ai trouvé. J'espère que t'en as encore. Est-ce qu'il marche? Pas de réseau. Essaye de trouver un signal et appelle les secours. Il y a forcément quelqu'un. Non, j'appelle mon père. Non. Je t'en prie, appelle les secours. Ma batterie est presque à sec, alors je ne peux passer qu'un appel. Pourquoi c'est ton père qu'il faudrait appeler? Il comprendra direct. S'il y a une personne qui peut le faire, c'est lui. Mais ma batterie se vide et j'ai toujours pas de réseau, ok? Ton père ne sait pas qu'on est ici. On a changé nos plans, est-ce que tu te rappelles? Il comprendra, et très vite, ok? Aie confiance et crois-moi. T'es censé appeler les secours, pas demander l'aide de ton père. Si j'appelle les secours, ils appelleront les gardes-côtes, puis la Navy, et ensuite la Civil Air Patrol, et ça finira sur son bureau pour qu'il s'en occupe. Donc je te jure, tu dois me croire, parce que j'ai enfin du signal et j'appelle mon père. Ouais. Quoi encore? Oui, allô? Papa, je t'en prie, écoute-moi. Papa, j'ai très peu de temps, mais on est coincé là où on est allé, sur une formation rocheuse. On n'est pas allé sur l'île où on va d'habitude. On est à environ une heure de Kajoki. Et Jason est mort. Tué par un requin. Attends une seconde. Jason est mort. Oui. Ce monstre nage en cercle et la marée va monter. On est en danger. Est-ce que ça va? Papa, la marée monte bien plus vite que je pensais. Je dirais qu'on a environ 45 minutes. C'est peu. Et mon téléphone va s'éteindre. Je veux juste que tu me dises que tu vas nous trouver. Ça va aller, ma chérie. Je vais appeler la Civil Air Patrol. Puis la police scientifique pour qu'ils localisent ton téléphone. Restez où vous êtes, tant que vous le pouvez. Oui, on restera ici, mais pas. L'eau est en train de monter. La marée arrive beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Ok. Est-ce que tu vois d'autres îles autour ou un endroit plus sûr? Oui, je sais que j'en ai vu une en venant. J'ignore où elle est, mais je peux la trouver. Écoute, tu
reste là autant que possible. Ça y est, il revient. Le requin. C'était quoi? Ça va, ça va. Promets-moi que tu vas nous sauver. Ok? Ma chérie! Quoi? Oui, j'ai bien essayé. J'ai tenté de la rappeler, mais je tombe sur sa messagerie. Vous avez assez de données pour la localiser? Les experts en communication sont en train d'analyser les données de leur téléphone. Et selon les relevés de bornage... Comme vous le disiez, les téléphones semblent être éteints. Avec le peu d'infos dont on dispose, je peux pas avoir de localisation précise. Mais si je me réfère aux indications que j'ai pu recueillir... Je peux vous confirmer ce que vous m'avez dit. Il semblerait qu'il se soit dirigé vers les îles périphériques de la baie. Donc tu es Joe Bessin. Bien, donc ça confirme qu'il se dirigeait vers une de ces îles dont je vous parlais. Tous les relevés indiquent clairement qu'il suivait cette direction. Sauf le dernier, qui est moins précis. Peut-être une anomalie. Avec une seule antenne relais, c'est difficile d'obtenir une bonne localisation. D'après vous, à quel point est-ce qu'on peut se fier à tous ces relevés? Malheureusement, les experts en communication ne seront pas en mesure de nous donner leur localisation. Avec une seule antenne réseau dans le secteur, c'est compliqué, on est dans une zone sauvage. Si j'avais eu trois antennes réseau, on aurait été capable de trianguler leur position. Mais on va devoir se baser sur ce qu'on a, et sur ce que vous nous avez dit à leur propos. Ouais, j'ai compris. Votre problème avec cette unique antenne, c'est que la réception est totalement irrégulière. Le bassin n'est pas intégralement couvert. Et s'ils s'aventurent dans une zone non couverte, un pistage limité sera impossible. Et quel est le délai pour décider de la marche à suivre? J'en saurai plus d'ici 15h00. Il faut que ce soit plus rapide que ça. Toute la zone est affectée par de fortes marées. Je comprends, mais j'aurai une réponse bientôt. Et j'enverrai un appareil de recherche aussi vite que possible. Ok, alors je vais la rappeler. Mais prévenez-moi si l'équipe d'experts techniques réussit à déterminer leur localisation. Ok? Merci. On va faire notre maximum. James, je vous rappelle. Chérie, ton téléphone doit être éteint. J'ai réussi à joindre la similaire patrouille. On essaie actuellement de vous localiser. Ce sera pas très précis, mais suffisamment pour délimiter un périmètre. Ils vont envoyer un avion de reconnaissance d'ici une heure. J'espère que tu vas bien. T'inquiète pas, les secours sont en route. Rappelle-moi, je t'aime. Les eaux commencent à monter. J'ai vu. Qu'est-ce qu'on va faire? Prendre de la hauteur. Hors de question qu'on retourne dans l'eau. Pas moyen, compte pas sur moi. Écoute, cet endroit sera bientôt sous les eaux et on n'aura pas le choix. On pourrait peut-être rester ici. Ils vont nous retrouver et on n'aura pas besoin de se frotter à ce requin. Ça serait bien, mais on ne peut pas nier la gravité de la situation dans laquelle on se trouve. Car cette île va s'enfoncer très vite. Donc il faut qu'on agisse maintenant ou jamais. Sarah, les kayaks. Merde. Quoi? Allez, viens. Oh, bordel! Oh.
juste là. Terre ferme, droit devant. Megan, t'es toujours avec moi? Il est là. Il revient. Où ça? Juste là. Dieu, il y en a d'autres. Des requins, des requins. Allez, avance. Vite. Des dauphins. Laisse-moi juste une minute, Sarah, juste une minute. J'étais pas venue pour un stage de survie. Moi non plus. Pourquoi on n'a pas fait ce shooting sur une plage avec des palmiers? Tu sais qu'à la base, on avait prévu une piscine. Ah. Tu te fous de moi? Pourquoi ici, alors? C'est Jason. Faut toujours qu'il repousse les limites. Bon, après aujourd'hui, plus jamais je repousse mes limites. Je bosserai uniquement sur la terre ferme, de préférence près d'un endroit où je pourrais prendre un verre. Ok, alors est-ce que ça te tente une virée de 3 semaines chez les ours polaires? C'était le prochain truc sur la liste. Et tu peux me passer ton couteau que je t'égorge tout de suite. Ok, on y retourne. Regarde. Un dauphin. Quoi? T'en es sûr? Non, c'est un requin, c'est un requin! Mam! Paquet! Oh non, oh non! Sarah, stop! Quoi? Écoute-moi, je t'en prie. Ah! Ils sont attirés par les vibrations, c'est ça? Peut-être qu'en ramant, on l'attire. Donc si on reste immobile, il s'en ira. On peut y arriver. Tu sais quoi? Moi, j'y arriverai pas.
Ok, je reste. Je veux rester avec toi. Ok, bouge pas. Si on attache nos kayaks ensemble, on lui apparaîtra comme une seule forme. On aura l'air plus gros, pas comme quelque chose qu'il pourrait manger. Je vais t'envoyer ça. Attrape. Tiens. On aura peut-être le temps de récupérer et ensuite on repartira vers l'île. Pose ta pagaie. De quoi tu parles? Il essaie de mordre un truc qu'il voit pas. Où est-ce qu'il est? Je sais pas. Arrêtez-vous! Hé, hey, les filles, ça va? Arrêtez votre moteur! Megan! Il vous faut de l'aide? Non, Sarah, stop, stop. Non, mais on peut l'atteindre. Non, Sarah, arrête, il est mort, Sarah. Non. Écoute-moi. Ce type est mort, Sarah. On peut atteindre ce son engin. Ce mec est mort, d'accord. On peut l'atteindre, bon, on pourra sang, monter Sarah, sur ce jet-ski. Réfléchis un peu. La lanière est tombée avec lui. C'est un jet-ski, ok? Donc même si on arrivait à l'atteindre, la lanière a quand même été arrachée. Cet engin ne démarrera pas. Est-ce que t'as compris? Allez, on bouge. Allez, tu vas m'aider, oui? Ok, ok. On peut l'atteindre! Dépêche! Ah.
Sarah, c'est moi, papa. J'aimerais avoir de tes nouvelles. J'espère que tu t'accroches. L'Air Patrol a pu déterminer votre position. C'est une estimation assez large, parce qu'il n'y a pas assez d'antennes réseau pour trianguler votre position, mais une fois qu'ils seront dans les airs, ils devraient pouvoir vous repérer. On vérifie toutes les îles du secteur. Alors rappelle-moi. Rappelle-moi, chérie. Rappelle-moi. Sarah, ma chérie, écoute, j'espère que ça va. Je voulais que tu saches que l'hélicoptère vient de décoller. La patrouille maritime est en lien avec les gardes-côtes. Tout le monde est sur le pont pour te ramener. Je voulais t'annoncer la bonne nouvelle, mais la zone où tu te trouves est sujette à ce qu'on appelle une marée royale. C'est un phénomène qui a lieu quand la Lune est à son périgée. Les eaux de la région où tu te trouves peuvent devenir très rudes. C'est la pleine lune ce soir. Et quand la marée arrivera, il se peut qu'il n'y ait plus de terre émergée dans tout le bassin. Elle envahira toutes les petites îles depuis les Keys jusqu'à la périphérie de la baie. Fais en sorte de trouver un point élevé et sois patiente. J'ai toujours dit que j'affronterais l'enfer et les marées pour te protéger. Je sais que tu as vécu l'enfer. Et maintenant, tu vas devoir affronter cette marée. Ok ? Tiens bon, ma chérie. Tiens bon, les secours vont arriver. Ok. Tu t'aimes très fort. Désolée. Je savais. Je savais que Jason t'aimait encore et toujours. Je voulais même pas venir faire ce shooting. J'avais aucune envie de venir parce que je savais qu'il t'aimait encore et je savais que vous aviez rompu. Mais jamais je me serais mise avec lui si vous aviez encore été ensemble. Tu ne l'as peut-être pas aimé, mais moi si. Et maintenant, il est mort. C'est pas ce que je voulais. Bordel, c'est pas ce que j'avais prévu. Je voulais une clôture en bois blanc, Je voulais un chien et je voulais... Jason, toi, t'avais vraiment tout et t'as tout balancé. Il faut que tu saches. C'est pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie non plus. Je me ferais pas bouffer par un requin. Ouais. Comment t'as prévu de claquer ? J'en sais rien. Mais je vais te dire. Meg, je crèverai pas ici. Ça, je te le promets. Et je veux pas finir étendue dans un lit d'hôpital, reliée à des machines. Avec des tubes sortant de tous les orifices de mon corps et mourir à petit feu sous les yeux de ma famille. Je veux pas rester ici. À m'apitoyer sur mon sort pour que ça aille mieux. Moi, j'ai envie d'être centenaire. Et entouré de petits-enfants, je veux pouvoir boire
La meilleure tasse de thé que j'aurais eue de toute ma vie. C'est comme ça que je veux partir. Mourir après un thé. Oui. Je trouve que c'est une mort qui sonne très bien, vu la situation. Je croyais le thé bon pour la santé. Non, pas le thé sucré. Oh, sucré, sûr. Et du citron. Le citron, c'est sain, mais le sucre, j'approuve pas du tout. C'est pas sain. T'as un problème avec le sucre? Ouais, j'ai un problème avec le sucre. Oh, Seigneur. Je pense pas qu'on puisse être amis après ça. Moi non plus. C'est ta mère dont tu parlais avant? C'est comme ça qu'elle... Ouais. Cancer. Quand on l'a su, il n'y avait plus rien à faire. À part... attendre la fin. Je suis désolée. C'est... c'est à ce moment-là qu'avec Jason, on s'est séparés. Je veux que tu saches que je l'ai aimé. Vraiment. Mais je n'étais pas amoureuse de lui. Et en voyant ma mère... ça m'a fait tout remettre à plat. Ça m'a permis de réaliser que j'étais injuste avec lui. C'était injuste de le coincer comme ça, alors qu'une autre personne pourrait lui donner cet amour. Tu es toi. Alors quand je l'ai vu aujourd'hui avec toi, et que il était souriant et qu'il riait comme seul Jason savait le faire, j'étais heureuse pour lui. Je te jure, j'étais heureuse pour lui. Oui. Oui. Il le méritait. Il le méritait. Le kayak. Prends ton téléphone et regarde si t'as du réseau. J'ai mis un chargeur solaire dans le sac. Mais le chargeur ne marche pas. Laisse-moi voir. Je vais m'en occuper. C'est plein d'eau. Ça peut pas charger. Megan, tu devrais peut-être la poser. Mets-la au soleil. J'essaye de la brancher. Je te dis qu'elle est pas chargée. Laisse tomber, c'est mort. Ça marchera pas. Laisse tomber. Ça y est, c'est connecté. Vas-y, branche-le. Oh mon Dieu. T'as réussi? Ouais. Comment t'as fait? C'est
Celui qui a dit que mater des vidéos YouTube était stupide avait tort. Là-bas, il y a un instant, et l'eau a déjà tout recouvert. Qu'est-ce qu'on va faire si tout cet endroit se retrouve sous l'eau? On a encore les kayaks. Je remettrai pas les pieds dans l'eau. Je pense que tu étais sur une piste avec cette histoire de mouvement. Il faut juste réduire nos mouvements et rester là où c'est pas profond. Cette chose est tout près du bord. Je le sais, ça. Mais là, tu m'aides pas. Pour l'instant, faut voir les choses du bon côté. Quoi? Et comment ça? On n'est pas encore morte. Oh, exact. Oui, on n'est pas morte. On est juste échoué sur une île. Un requin est à notre poursuite. Les secours ne nous trouveront jamais. Et maintenant, cette île se fait inonder. Et ensuite quoi? Le requin va se transformer en tornade? Sérieux, j'en peux plus, Sarah. Oui, allô, Sarah. Papa, papa. Oui, c'est moi, est-ce que ça va? Oui, on va bien, mais je viens de voir un hélico, c'était un monomoteur, je crois que c'était eux. En effet, c'est génial. Tu peux me donner plus d'informations sur leur passage? Ça m'aidera à déterminer exactement où vous êtes. Ils sont passés juste au-dessus de nous, en direction de l'est. Mais bien plus au nord, papa, trop au nord. Ce sera très utile. Ils survolent les autres îles et ils étendent leurs recherches. Non. On n'est pas allé à Kujoki, papa. Là, on est sur une autre île, une nouvelle île. Jason avait dit qu'elle s'était formée lors de l'ouragan. Je crois que c'était il y a un mois. Elle n'est pas sur les cartes. Tu dois être au sud, sud-ouest de la zone de recherche. Je vais leur dire d'affiner le périmètre. Garde ton téléphone allumé. On devrait pouvoir mieux déterminer ta localisation. Il nous reste peu de temps. On pourra peut-être pas rester ici longtemps. La marée arrive. Ok. Reste calme. Reste calme. Papa. La zone où tu te trouves est soumise à un pic de très forte marée. Une marée royale. Oui, je connais. Elles sont plus fortes que la normale. C'est ça, bien plus fortes. Malheureusement, ce secteur pourrait bien être particulièrement impacté. C'est l'équivalent à ce qu'une tempête produirait. Mais uniquement sur les marées. Ça n'a rien à voir avec la météo, mais avec la phase de la Lune. Les stats me disent que toutes les îles pourraient être englouties. Alors? T'es toujours là? Oui. Vous avez toujours vos kayaks? Oui, on a nos kayaks, pas, mais... Écoute. Je sais que ça va être difficile. Et j'aimerais pouvoir être avec toi. Mais toi et Megan, vous vous en tirerez très bien. Continuez à vous accrocher. Vous arriverez à rester en vie. Pas. Dis-moi la vérité. Si personne nous trouve avant la nuit, est-ce que vous abandonnerez les recherches? On vous retrouvera, chérie. On vous retrouvera. Je sais que t'abandonneras jamais, pas, mais... Si cette marée est aussi forte que tu le dis... Vous devez suspendre les recherches, je veux juste que tu saches qu'on a essayé. L'hélico de reconnaissance vous retrouvera. Je veux juste que tu saches que je me suis battue. Et que je t'aime. Reste en ligne. Je te laisserai pas tomber. Tu sais que je l'ai jamais fait. Ok. Sarah. Pas. Sarah. Sarah, allô? Papa! Ah! Patrol, ici Darren. Oui, c'est James Murray.
Je viens de parler avec ma fille. On a de nouvelles données pour les experts en communication. J'ai pu la voir en ligne pendant environ 3 minutes. Il faut étendre les recherches au-delà du périmètre initial. J'ai de nouvelles infos sur leur position. Notre périmètre initial semble être incorrect. Ils sont allés à un autre endroit, sur une autre île. Et avec ces marées, l'eau monte très rapidement. Très bien, je vous rappelle vite. Bien reçu. J'attends de vos nouvelles. Pas le croire. Apparemment, un groupe de baleines pilotes s'est échoué pour mourir sur les hauts fonds de Kudjo Basin. Il y a environ 2 semaines. Il y aurait au moins 30 baleines. Personne ne sait s'il y aurait un lien avec l'ouragan. Elles se sont échouées et sont mortes dans des eaux peu profondes. Les procédures standards prévoient, dans le cas où une telle chose arriverait dans un endroit aussi éloigné, de laisser les carcasses pourrir et retourner à la nature. D'ailleurs, j'en ai eu confirmation par le Bureau des Affaires Maritimes. Donc il y a des carcasses de baleines qui dérivent dans le secteur. Il y en avait, James. Mais ça se complique. Apparemment, le bureau a reçu des signalements de plaisanciers et de pêcheurs. Et ils ont vu d'énormes requins blancs se nourrir de ces carcasses. Certains parlent d'un requin de 6 mètres. Les grands blancs sont des visiteurs saisonniers des Keys. Et c'est inhabituel qu'un tel événement se produise dans le secteur, au fin fond des Keys. Bien sûr, mais s'il y a quelque chose qui les attire comme un tas de baleines mortes... Exact. Quoi qu'il a été confirmé qu'un grand blanc était dans les parages, le Bureau des Affaires Maritimes a décidé de faire retirer ses carcasses, en espérant que le requin s'en aille. Ce qui n'est pas le cas. En effet, ils ont retiré les carcasses, mais le requin n'est pas reparti. Est-ce que ça expliquerait son agressivité? J'ai contacté le laboratoire océanographique. Ils ont une théorie sur ce qui arrive à ce requin. Ce sont des prédateurs opportunistes. Et trouver quelque chose d'aussi gros qu'une baleine est plutôt rare. Quantité de nourriture, comme une carcasse de baleine, l'appétit du requin s'accroît pour profiter de l'aubaine. Et quand un requin tombe sur une baleine morte, là c'est le jackpot, et l'accroissement de son appétit est en quelque sorte une façon naturelle pour le requin de profiter d'une telle abondance, tant qu'elle peut durer. Son appétit peut être décuplé, et ça permet au requin d'éviter une situation de famine et de survivre aux périodes où la nourriture c'était plus rare. C'est un peu comme chez les lions. Il peut manger beaucoup plus que la normale. Et c'est ce qu'il fait tenir en période de disette. Donc la présence de toutes ces carcasses a exacerbé l'appétit de ce requin. Puis, quand ils ont enlevé les baleines, au lieu de faire fuir le requin, ça l'a laissé avec un énorme appétit, en quête de proie. C'est une des théories, et pour moi ça se tient. Et puis devenir plus agressif de façon territoriale. Et il se peut qu'il ait eu à chasser d'autres prédateurs qui s'approchaient des carcasses. S'il s'attaque au kayak, c'est peut-être pour défendre son territoire. La dernière théorie serait celle d'un requin solitaire. C'est un requin qui, pour une raison indéterminée, se lance dans une série d'attaques. On connaît des précédents historiques. Il y a eu des cas où un seul requin était à l'origine de plusieurs attaques. C'est rare, mais oui, ça arrive.
Il semblerait que ce soit une combinaison des deux. Il faut qu'on les trouve et qu'on les sorte de l'eau. Mais on doit s'assurer de chercher au bon endroit. Je sais qu'il y a plein d'îles là-bas, mais en se basant sur leur première position, je pense qu'on n'a pas cherché au bon endroit. Les experts ont affiné leur position. Mais Sarah m'a dit qu'ils ont ramé jusqu'à un banc de sable récent. Vous savez que ces bancs de sable bougent. De nouveau se forment et d'autres disparaissent. Je pense que celui sur lequel elles étaient ne figure pas sur nos cartes. Bien reçu. Pour l'instant, on arrive au bout de notre temps de vol. Je peux les rediriger en fonction de vos indications. Mais il faudra refaire le plein. Si ça devait arriver, il faudra certainement retourner à l'aérodrome pour faire le plein. Ce qui nous privera de temps pour mener des recherches. Ils sont toujours au-dessus de Kudjo Basin. Peut-être que ce serait possible sans avoir à faire le plein. Bien reçu, c'est vous qui voyez. Mais s'il tombe à court de kérosène, on devra interrompre les recherches. Très bien, maintenant écoutez. Ils ont dit avoir vu l'hélicoptère. Il ne doit pas être loin. Bien reçu, quels sont vos ordres? Je veux qu'on change la zone de recherche, d'accord? On doit continuer à suivre la même ligne, mais plus loin au sud. Si vous avez assez de carburant pour fouiller encore un endroit, ça devrait suffire. Si cette information est incorrecte, c'est fichu. Jeune homme, c'est ma fille qui est là-bas. Si on a affaire à un requin solitaire, comme vous le dites, il n'y a pas de temps à perdre. Je vous en prie, changez de zone de recherche vers les coordonnées que voici. Oui, allô. Je viens d'avoir
pouviez pas vous poser pour les récupérer? Négatif, James. Il y a trop de récifs immergés dans le secteur. Quelle est l'importance de cet hélicoptère? C'est pas une question de portance, c'est la clarté des eaux. Pour l'instant, la visibilité n'est pas suffisante pour que le pilote puisse décider d'atterrir en sécurité. On leur envoie un bateau au moment où je vous parle. Combien de temps ça va prendre? Moins de 10 minutes. Est-ce que vos gars dans l'hélicoptère peuvent surveiller ce requin? Négatif, désolé. L'hélico de reconnaissance a dû retourner faire le plein à la base. Oh, allez! Je suis navré. S'il ne rentre pas immédiatement faire le plein, on pourrait perdre l'appareil. Faites-moi savoir lorsque le bateau sera sur place. Ils vont revenir, Megan, ils ne nous laisseront pas ici. Comment tu sais qu'ils vont revenir? Reste calme. Ils seront bientôt là, crois-moi. Où est-ce qu'il va? Thank you.
Oh, Dieu merci. Dieu merci. T'es blessé ? Est-ce que ça va ? On va bien, rien de cassé. On va bien. Très bien, alors écoute. Les ambulanciers vont te rejoindre sur les docks. D'accord. Je sais que t'es une dure à cuire, mais ils vont devoir t'examiner. Je vais prendre un vol dès ce soir. Et je serai à tes côtés dès que je descends de l'avion. Okay. Tu t'es bien battu, monsieur. J'en doutais pas une seconde. Ta mère serait fière de toi. Pas ? Ouais. Quand je rentrerai, je voudrais qu'on parle du studio de maman. Ok, chérie. Ok. Je sais pas, je pourrais me remettre au pinceau. Ça me ferait du bien. On fera comme tu voudras. Pour moi, pas de soucis. Comme tu voudras. T'as qu'à demander. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi. T'es toujours en ligne ? Oui. Très bien, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime plus que tout. Plus que tu ne le penses. Je suis heureux que tu ailles bien. Allez, bye bye. Hey, Sarah. Si tu veux encore que je te maquille un jour, je vais devoir te dire non. Ça n'a rien de personnel, t'es parfaite, juste que je referai jamais un truc comme ça. Ouais, moi non plus. Je crois que le Nouveau-Mexique sera parfait pour toi. Georgia O'Keeffe a vécu là-bas. Et elle s'asseyait juste et elle peignait. Je crois qu'une fois là-bas, tu voudras plus jamais repartir. Et tu sais ce qui est top au Nouveau-Mexique ? Non. Pas d'eau. Pas d'océan. Pas de lac. C'est tout sec. Trop génial. Je prends. Je suis trop partant. City burns to light, the raging sky.